Marseille, sa réputation, ses légendes, son histoire. En arrivant pour cette escale, notre ressenti de la cité phocéenne avait été bâti sur les reportages télévisés, les informations sensationnelles et donc, forcément, empreintes d'une négativité totale. Et pourtant, si le tableau n'est pas totalement blanc, quelle découverte, quelle vie foisonnante, quelle mixité chaleureuse que Marseille. La notion de vivre ensemble prend tout son sens ici. C'est le grand écart social où les plus grosses berlines longent les plus beaux bâtiments historiques, au pied desquels les mendiants croisent les étudiants, les pêcheurs et les travailleurs de la ville. Ici, nous avons vécu la période la plus faste et riche de cette première expédition. De rencontres aux opportunités, nous avons vécu Marseille en grand. À peine le catamaran hacké et amarré que les journalistes du journal La Provence et France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur sont arrivés pour nous accueillir et relayer l'expédition et nos travaux à leurs lecteurs et téléspectateurs. Un exercice nouveau pour Audrey qui s'en est très bien sorti. Médiatiser, c'est transmettre. Et si nous réalisons ces travaux scientifiques et rencontrons les héros de l'océan, c'est bien dans cet objectif de partager la connaissance de l'océan avec le plus grand nombre. C'est donc toujours avec plaisir que nous échangeons avec les médias, qu'ils soient locaux ou plus larges dans leur diffusion. Pendant ce temps, les enfants en ont profité pour s'affronter aux échecs sur le flybridge, une façon bien raisonnable de jouer et de rester patient. Une fois ces échanges terminés et les journalistes équipés pour travailler, nous avons préparé le matériel et sommes partis à la rencontre du héros de Marseille, Luc Vanrel. Bonjour Luc. C'est dans un site naturel sublime, référence emblématique, culturelle et historique de Marseille, et symbole cher à son cœur où il plongeait les premières fois avec son père, qu'il a souhaité nous faire découvrir son histoire et la grotte Cosquer. Bonjour Luc.
Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir ici dans votre bureau. Avec plaisir. Le parc des Calanques. Simplement pour démarrer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter, Luc, nous dire qui vous êtes et probablement quelques faits marquants vous concernant. Alors je pense que le fait le plus marquant, c'est que je suis un enfant des Calanques, donc je suis né juste de l'autre côté de ce massif, entre les collines et la mer. Et bien sûr, c'était mon terrain de jeu. Et c'est un terrain d'aventure avant tout extraordinaire. Ça a donc un petit peu orienté le sens de ma vie, clairement, avec un engouement pour l'aventure, les milieux sauvages. Globalement, je dirais que peut-être le fil conducteur de ma vie, c'était la passion d'apprendre et la passion de découvrir. De découvrir. Ouais. Votre première découverte, c'était quoi ? Si on parle en termes de patrimoine, ma première découverte, c'est pas vraiment dans les Calanques, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est dans le sud de la Sardaigne. Découverte d'une première épave antique en plongée. J'avais 6 ans. 6 ans ? Oui, 6 ans. Mais il faut dire que j'avais une chance et une particularité, c'était pas du tout. J'étais pas la première génération de plongeurs dans la famille. J'ai commencé à plonger en scaphandre à 5 ans. Je faisais de l'apnée un peu plus tôt. Et donc à 6 ans, j'étais déjà assez aguerri parce que la mer, elle était ouverte tous les jours. Donc les vacances scolaires d'été, je plongeais une fois par jour, tout le temps. Et donc vraiment la moitié sur terre, la moitié dans la exactement. Mer. Exactement. C'était beaucoup plus compliqué à l'époque parce que quand je parle du début des années 60, là, mon père me fabriquait mes combinaisons. Ma première bouteille de plongée, c'était donc celle que j'utilisais dans ces années-là. C'était une bouteille d'oxygène de 3,5 litres que mon père avait modifié un robinet de plongée pour l'adapter sur la bouteille d'oxygène pour pouvoir la remplir avec de l'air et monter un détendeur. Des fois, ça me paraît fou aujourd'hui. C'était avant l'invention du joint torique. et donc, on serrait le détendeur sur la bouteille, sinon ça fuyait. Donc, ça a été un apprentissage, je dirais, plutôt à la dure. L'enseignement de la plongée à l'époque... Ça n'existait pas vraiment, c'était des pratiques qui se transmettaient. Vous vous retrouviez maître de vos propres limites, en fait. Oui, mais par c'est exemple, responsabilisant quand même. Sur site, mon père mouillait le bateau, il accrochait tout mon matériel autour de la bouteille, il jetait la bouteille à la mer et il me disait « va t'équiper, Mino ». Ah oui ? Et moi, je partais en maillot, récupérer mon matériel au fond, ouvrir ma bouteille, trouver mon détendeur, trouver mon masque. Moi, je prenais ça comme un apprentissage nécessaire. Vous êtes donc archéologue, plongeur. Vous avez découvert le P58 d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette épave mythique, c'est vous qui l'avez découverte. Vous l'avez découverte où, d'ailleurs ? Juste à côté. Juste ici ? Oui, exactement, vers l'îlot qui est ici. Alors, cet îlot est assez incroyable parce que beaucoup de choses se sont passées là. Alors, bien sûr, beaucoup de choses de l'histoire des hommes, mais aussi de l'histoire des hommes modernes, notamment avec Cousteau, puisque c'est là que seront tournées les principales séquences du Monde du Silence. Ok. Et puis... c'est juste ici. Oui, et incroyable. Puis c'est là que l'archéologie sous-marine est née, avec la fouille de 52-56 par Cousteau, d'un gisement d'amphore. Et de l'autre côté de l'îlot, moi j'ai bataillé, mais pour deux avions, ce qui est quand même plus rare, deux avions qui sont tombés au même endroit. Ah oui ? Voilà. Alors le premier ? Le premier, c'était un avion allemand, piloté d'accord. par un jeune prince allemand d'ailleurs, c'était un grand aristocrate. Et Saint-Exupéry, notre petit prince national, qui tombait sur un grand prince d'Europe. À 8 mois d'écart, hein, mais il fallait quand même régler la question des deux avions, parce que ça aurait pu être une collision aérienne. Saint-Ex étant sur un avion d'observation non armé, il aurait pu éventuellement vouloir couper la route du chasseur ennemi qui essayait de l'intercepter, une mauvaise manœuvre, enfin voilà. À ce moment-là, tous les scénarios étaient possibles, quoi. Tous les scénarios étaient possibles. Donc, c'est un endroit un peu magique pour l'archéologie sous-marine. Et en face de l'îlot, donc sur ce cap, oui. On a la grotte Cosquer. Qu'est-ce que c'est ? Que la grotte Cosquer qu'on a ici, et surtout dont vont vous occuper, dont vous êtes le responsable scientifique depuis près de 30 ans. La grotte a été découverte en 91, donc moi je vais la fréquenter depuis 91, donc effectivement ça fait 30 ans que je connais la grotte. Quoi, elle est si particulière ? Eh bien c'est un peu un miracle
des temps géologiques lointains. Il faut bien imaginer que le paysage n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, au moment où les premiers hommes vont fréquenter la grotte Kosker. On est dans une phase de grand refroidissement. C'est la partie, je dirais, la plus active de la dernière glaciation. Donc c'est le moment où les glaces commencent à se développer sur la planète et le climat se dégrader grandement. Et là, donc, on a des hommes qui arrivent vraisemblablement du nord de l'Italie, en marchant sur les plaines côtières qui n'existent plus, qui sont sous l'eau. Qui aujourd'hui est à combien de profondeur, qu'on se fasse une idée? Globalement, une centaine de mètres à peu près. Alors qu'est-ce qu'on apprend, par exemple, d'important dans cette grotte Kosker, qu'on ne retrouve pas dans d'autres? Alors déjà, le premier miracle, c'est qu'il nous reste, quand on parle de la grotte Kosker, en réalité, il nous en reste un petit morceau. C'est-à-dire la partie la plus élevée au-dessus de la mer. D'accord. Puisque le reste étant sous l'eau, la Méditerranée a tout dégradé. C'est-à-dire qu'on n'a plus que des traces importantes de passage. L'entrée de la grotte, au plus fort de la glaciation, va être à peu près à 100 mètres d'altitude, au-dessus de la mer. Donc la mer est à 10 km du rivage actuel. Incroyable. Aujourd'hui, l'entrée de la grotte est à 37 mètres sous le niveau. 37 mètres sous la mer. Mais elle était à 100 mètres au-dessus. C'est incroyable, hein. Donc les hommes n'étaient pas du tout, ne rentraient pas en plongée dans la grotte Kosker à l'époque. Aujourd'hui, nous, on a un long parcours à faire de 37 mètres sous la mer à zéro. Et là, on pose nos affaires, on se redéguise en préhistorien et on va étudier la grotte au sec. À Kosker, on a une petite particularité, c'est que le biotope marin est représenté dans la grotte. On a des animaux qui sont dessinés dans la grotte, des phoques, des grands pingouins, espèce qui a disparu au 19e, décimée par les chasseurs. On a un petit pingouin. Un petit pingouin, donc il y en avait? Oui, mais il y en a toujours. Donc on a une présence de la mer qui est attestée comme participant à la vie et à la culture des hommes. Qu'est-ce que la grotte Kosker aujourd'hui, elle nous permet de comprendre sur la transformation de la Méditerranée? Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui sur des problématiques auxquelles on peut apporter des solutions? Est-ce que la grotte Kosker, c'est une source d'enseignement aussi pour notre avenir? Oui, c'est une source d'enseignement, mais c'est surtout aussi une source d'angoisse, hein. Il m'a peut-être fallu une dizaine d'années pour vraiment comprendre ce qui se passait. On commence un petit peu à en parler partout, mais ce n'était pas bien certain. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, le climat change. Il ne change pas dans le sens où il devrait changer. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais qu'on était en période interglaciaire. Globalement, une période interglaciaire dure à peu près 40 000 ans, sur les derniers cycles, hein, parce que ce n'est pas d'une régularité absolue. Globalement, une glaciation, ça dure 100 000 ans, donc ça commence doucement à se refroidir, etc. D'accord. On va arriver à un point de grand froid, et après, il y a un réchauffement très rapide. Quand ce réchauffement se produit, il y a un emballement, parce que évidemment, on va avoir la fusion des glaces, parce qu'il fait plus chaud. Bien sûr. Donc, les glaces fondent. Mais les glaces ont capté énormément de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que ça s'emballe. C'est pour ça que ça s'emballe. C'est-à-dire que le début de l'interglaciaire, c'est toujours un réchauffement assez rapide. Et après, on arrive à un pic assez rapidement. Et puis, ça décroît et on perd globalement 0,1 degré par millénaire. Sur 40 millénaires, on va perdre 4 degrés. 4 degrés, c'est suffisant pour redémarrer un cycle glaciaire qui va capter des gaz à effet de serre dans les glaces et dans les sols gelés, surtout dans le pergélisol, le permafrost pour les anglo-saxons. Tout ça devrait fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, on est géologiquement en phase de refroidissement. Sauf que pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que le pic du réchauffement ne s'est pas vraiment affaissé et ça continue à accélérer. Et la température continue à s'élever. Et les taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont tout à fait anormaux. Et le forçage anthropique est quelque chose qui m'a sauté aux yeux et que j'ai pu comprendre très vite à cause de la grotte Kosker et à cause des études climatiques dans la grotte qui donnent une notion de ce qui se passe à l'échelle globale. C'est assez incroyable, mais c'est vrai que c'est un beau laboratoire pour comprendre comment ça se passe sur la planète à partir d'un endroit particulier. Un échantillon. Mais c'est quand même, c'est pas du tout optimiste. Ça fait peur. Ah mais ça fait peur, c'est terrorisant.
Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est globalement, là, si on continue par rapport à ce que vous avez pu constater, c'est-à-dire ce point de base, ce point de référence, on va vers quoi là? Est-ce qu'on va vers justement un pic et on va repartir en air glaciaire, ou est-ce que ça va monter, monter jusqu'où? Non, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Hein. Ces oscillations en général sont d'origine astronomique, c'est-à-dire position de la planète par rapport au Soleil, position de la planète par rapport à son obliquité sur son axe de rotation. C'est Milankovitch qui avait mis ça en évidence. Hein. Donc c'est les fameux cycles dits de Milankovitch qui donnent la cadence des glaciations. D'accord. Par rapport à des données astronomiques, simplement la position de la planète. Et là, ben, on n'est plus du tout dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le forçage anthropique a pris le pas sur ces phénomènes-là. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on est en train de perdre les glaciers de montagne, notamment sur les Alpes, hein, c'est la catastrophe. On perd les névés, des zones de neige qui ne fondaient jamais. C'était des vestiges de la dernière glaciation. C'était le cœur du névé, c'est-à-dire le noyau, avait plusieurs dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, bah, tous les névés que je suivais dans les Alpes depuis que je suis gamin, bah, on a une petite flaque de boue au mieux. Ils ont disparu. C'est-à-dire que j'ai peur que dans peut-être moins de 5 ans, on ne pourra plus montrer de neige éternelle aux enfants en été. Et il n'y aura plus de neige éternelle parce qu'elles auront fondu l'été. De votre point de vue, Luc, on a passé le point de non-retour ? En tout cas, on est en équilibre dessus, là. On est vraiment en équilibre dessus. Et ça va se jouer à quoi ? Décennies ? Siècle, clairement pas, vu l'évolution sur un sol. C'est très rapide. Je pense que 2030-2035, on est sur un tournant décisif. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne prend pas les bonnes décisions, on peut dire que l'humanité est perdue, hein, clairement. Hein. Parce que les conditions climatiques ne seront pas propices à la vie des hommes. Et elles seront d'ailleurs peu propices à toute forme de vie. Les fourmis, les scorpions, c'est bien costaud. Ça peut s'adapter à des conditions climatiques. Il y a certains organismes qui peuvent le faire. Mais les organismes aussi développés, aussi sophistiqués que le nôtre, les mammifères en général, les vertébrés, même peut-être au sens large, vont être amenés à disparaître comme l'ont fait les dinosaures. Hein. Il y a d'autres drames qui pourraient arriver. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec ce qu'on devrait avoir si on n'avait pas eu une chance astronomique absolument exceptionnelle d'avoir une planète stérile, sans atmosphère, comme Mars, comme Vénus. Quand on voit le paradis dans lequel on est en train d'échanger là maintenant, c'est clairement pas une bonne perspective. Ouais. Notre atmosphère est quand même vachement fragile, c'est pas grand-chose. On a des choix à faire entre notre confort actuel et notre survie. Cette notion de confort, je pense que c'est pas le vrai problème. Si on en est là, c'est à cause de qui ? Alors, les industriels et surtout le système de productivisme et de surconsommation, et donc le marketing, par exemple. On est toujours en train de faire du marketing pour des objets en plastique. Mais comment c'est possible ? C'est contre toute logique. On brûle des énergies fossiles. Aujourd'hui, on n'a plus de doute sur la question. Il faut arrêter de brûler des énergies fossiles. On va me dire, mais comment on fait pour chauffer, etc. C'est sûr qu'on est sur un système qui est basé sur la croissance. Et pour qu'il y ait croissance, il faut aussi qu'il y ait croissance démographique. Il faut qu'il y ait de plus en plus de consommateurs. Mais on est arrivé à la limite, là. Luc, merci infiniment. C'était une rencontre. Vraiment, j'ai adoré vous rencontrer, j'ai adoré vous écouter. Et d'ailleurs, la caméra va s'éteindre, mais on va continuer à discuter. Juste avant qu'on se quitte, on a une tradition, nous, dans notre expédition. C'est de remettre à chaque héros que nous rencontrons ce petit objet. Alors, je vous l'offre, c'est pour vous. C'est une médaille. On a fait frapper des pièces, 200 exactement, et qui sont aux couleurs de Thalas, chacune est numérotée. Et c'est une façon pour nous de symboliser toute l'admiration qu'on a pour votre engagement. Ah, merci. Qui, en l'occurrence, est l'engagement d'une vie. Et j'espère que vous pourrez penser un petit peu à nous. Très beau. Et chacun des héros que nous rencontrerons partout autour de la planète se verra remettre cette petite médaille. Et je suis très fier de vous la remettre. Merci beaucoup. Le terme de héros me gêne un peu parce que je n'ai jamais fait que vivre mes passions. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir déplacé des montagnes
sous la contrainte, mais simplement par joie et plaisir. Et bien, je vous souhaite de continuer encore longtemps ce travail, et en tout cas de continuer à nous inspirer, parce que vous êtes vraiment une source d'inspiration. Merci beaucoup, Luc. Avec plaisir. Au-delà d'un site majeur de l'art pariétal, la grotte Cosquer est une référence mondiale de l'étude climatique. Depuis le début du XXe siècle, l'empreinte humaine a transformé notre climat. Les émissions mondiales de CO2 sont passées de 2 milliards de tonnes en 1900 à plus de 36 milliards en 2021. Les températures mondiales ont grimpé d'environ 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle. Les calottes glaciaires fondent à un rythme alarmant, perdant près de 2800 milliards de tonnes par an. Ces changements ont déclenché des phénomènes extrêmes, des incendies dévastateurs aux inondations massives. Aujourd'hui, nous sommes témoins du coût incontestable du changement climatique. L'urgence d'une action mondiale est absolument criante. Luc Van Rel transmet cette alarme partout depuis 30 ans, comme de nombreux autres scientifiques. Pourtant, en 2023, tous les voyants sont au rouge. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Les températures de surface des océans battent leur record chaque mois. Les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles ont encore augmenté de 1,3% en 2023. Dans la prochaine vidéo. Je suis diplômée. Marseille, c'est fini. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite. Disponible sur Android et iOS, et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, eh bien plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous.